Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo spéciale maman. Je vais vous parler des indispensables quand vous allaitez, des indispensables et des petits trucs qui peuvent être utiles. Dans tous les cas, je vous fais part de mon expérience, ce sont mes avis à moi. Chaque allaitement est différent, chaque maman est différent, chaque bébé est différent. Je vous souhaite un très très bon visionnage et on commence tout de suite. Alors pour moi, le truc qui est vraiment indispensable de chez indispensable, c'est ceci, le coussin d'allaitement. Moi, là, j'ai changé la housse, mais à l'origine, je vous mets une photo juste là. Vous avez un truc, vous voyez sur la photo, pour positionner bébé et qui s'attache ici. Du coup, comme ça, de temps en temps, je peux le poser dans le canapé. Bon, par contre, il faut faire très attention et c'est pas pour très très longtemps. Et donc, voilà, donc pour moi, le coussin d'allaitement, c'est indispensable. Je le mets comme ceci et donc, du coup, je mets le bébé juste là et donc, je lui donne la tétée. Et franchement, ça c'est top, et c'est aussi bien, ça vous cale le dos. Non, franchement, si vous deviez acheter qu'un seul truc, ce serait ça. Et en plus, ça sert pendant la grossesse pour vous soulager un petit peu le ventre et les jambes. Donc franchement, ce truc-là, allez-y, foncez. Recommandation de pute. Alors, si vous allaitez, il est possible que vous ayez des petits bobos, des petites crevasses, ce genre de choses sur les tétons. Pas vraiment glamour, glamour, mais pour vous soulager, vous pouvez utiliser des crèmes. Moi, mes deux préférées, c'est celle-ci. Franchement, elle est top, top, top. Par contre, même si le mode d'emploi dit que vous pouvez donner la tétée sans vous laver, je vous conseille de vous laver les tétons avant chaque tétée, c'est l'idéal. Donc la première, c'est celle-ci. Et celle que j'adore aussi, c'est celle-là. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle s'applique très très facilement et j'aime beaucoup la texture. Donc voilà, mes deux chouchoutes de crème pour les petits tétons, c'est celle-là. Des petits coussinets. Alors, c'est pas très glamour, mais il est possible que vous ayez des fuites au niveau des seins. Donc si vous avez un t-shirt blanc ou un truc comme ça, faut mieux mettre des petits coussinets pour éviter la cata. Donc comment ça se présente? C'est tout simple, ça se présente comme ceci, c'est un petit peu un système comme les serviettes hygiéniques pour nous les femmes. Et donc souvent vous avez des petits systèmes d'autocollants que vous pouvez fixer sur votre soutien-gorge. Donc ça vous le mettez tout simplement à l'intérieur de votre soutien-gorge et ça va absorber. Je pense que vous connaissez ça et ça c'est plutôt pas mal, il en existe pour le jour, pour la nuit. Donc si vous sortez, ça peut peut-être vous éviter d'être mal à l'aise si vous avez les tétons qui fuite. Vous en avez de différentes marques et je crois même qu'ils en vendent chez Action. Peut-être pas indispensable pour tout le monde, mais moi j'ai pris ceci. Ce sont des compléments alimentaires sous forme de petites dosettes individuelles. Vous en avez 14 à l'intérieur et ça c'est vendu en pharmacie, ça vaut à peu près 12 euros. Donc à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour vous booster la lactation. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et ça vous donne aussi un petit boost niveau énergie. Donc à l'intérieur, vous avez du passiflore, du cynorhotone, de la vitamine, du magnésium. Et ça, franchement, moi, je l'en ai pris deux fois. Ça m'a favorisé la lactation et surtout, ça m'a donné un petit coup de boost. Parce qu'un bébé, c'est fatigant. Alors, si vous allaitez, vous allez avoir besoin d'un soutien-gorge d'allaitement. Donc moi, j'ai eu du mal à en trouver des jolis. D'ailleurs, celui-là, il est pas vraiment beau. Tout simplement, un soutien-gorge d'allaitement, c'est tout bête. Je vous montre comme ça. Donc ça se présente comme ceci, vous enlevez la petite attache et le soutien-gorge reste sur vous parce que vous l'avez attaché et vous pouvez sortir le matériel, sortir votre sein pour nourrir bébé. Donc ça c'est plutôt pratique, moi franchement j'en ai pas trouvé des jolis, celui-là je l'ai acheté à la halle aux vêtements, il y en avait deux à l'intérieur. J'en ai acheté un autre aussi qui est un petit peu dégueulasse, il est comme ça, voilà, il est vraiment pas top, pas top, celui-là je l'ai acheté à Leclerc. Après j'ai une poitrine assez généreuse, sans D, et donc voilà, par contre moi mes seins sont tellement lourds que ça ne suffit pas. Celui-là par contre il a une petite, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais un truc comme ça. Donc du coup en plus ce que je mets une espèce de brassière comme ceci, en plus de mon soutien-gorge pour bien soutenir. Vous allez me dire du coup c'est pas vraiment l'idéal, mais bon en tout cas moi je suis soutenue. Et puis après la petite brassière, j'ai juste à la soulever et donc ça fait le boulot nickel. Mais moi je préfère être bien soutenue plutôt que ce soit pratique parce que j'ai pas envie de me péter les seins, tout simplement. Vous allez avoir besoin de couches. Et là vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, c'est trop bizarre.
Tout simplement parce que quand vous allez avoir la montée de lait, vous allez avoir les seins énormes. D'ailleurs, regardez ma vidéo que je vous mets juste là, où je vous dis tout, tout, tout sur mon allaitement. Et donc, comme je vous disais, la montée de lait, vous allez avoir les seins énormes et super congestionnés. Donc, vous allez avoir besoin de vous soulager, tout simplement. Donc, moi, ce que je faisais, j'avais aussi acheté un truc comme ça, mais franchement, je vous le conseille pas. Ça coûte super cher et c'est pas super efficace. Vous imbibez les couches de bébé d'eau, vous les mettez au congélo, ça vous fait des espèces de poches de glace. Et vu que les couches, elles sont comme ça, vous pouvez les caler comme ça sur vos tétons. C'est trop glamour et franchement, ça fait trop, trop du bien. Franchement, ça coûte 2 francs 6 sous. Dans tous les cas, vous allez en acheter pour votre bébé. Et franchement, c'est l'idéal. Donc, je vous conseille, conseil à papa, mettez des couches dans votre congélo quand vous allez accoucher. Comme ça, quand vous rentrez à la maison, franchement, vous mettez les petites couches sur les lolos et ce sera l'idéal. Conseil de pute numéro 2. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo sur mon allaitement. Ça, ce sont des coquillages d'allaitement. Tout simplement, c'est des coquillages que vous allez placer sur vos tétons. Et en fait, il y a de la nacre à l'intérieur. Ça a des vertus cicatrisantes et apaisantes. Moi, ce que je fais à la maison quand il y a du monde, quand je suis toute seule, je me balade un petit peu la poitrine à l'air, histoire de soulager mes seins. Mais sinon, je mets ma crème et ensuite je mets les petits coquillages. Donc du coup, la crème, elle peut bien pénétrer et pas s'imbiber dans les vêtements. Ces petits coquillages, je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, moi, j'en suis plutôt contente et je vous les conseille également. Vous allez avoir besoin d'une espèce d'écharpe comme ceci, une étole, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc spécial pour bébé, hein. Moi je la trouve trop trop belle avec les petits hiboux. Pareil, je vous mets le lien dans la description, tout simplement parce que quand vous allez être en public, moi j'ai pas envie de m'afficher et que tout le monde voit mes seins, donc c'est pas très joli et je me transforme en petit fantôme l'histoire de quelques secondes. Et donc en fait je fais ça, je sors mon matos, nanani nanana, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, je me découvre. Une fois que le bébé est installé sur le sein, on voit juste le haut du sein. Franchement, j'en ai un peu rien à faire. Et donc voilà. Donc je vous conseille de prendre un grand truc comme ça. Franchement, c'est l'idéal. Vous en avez aussi vendu chez Action. Ils sont un petit peu plus petits, ceux avec les étoiles roses et bleues. Mais ils font aussi l'affaire. Par contre, celui-là, je l'adore parce qu'il est tout tout doux. Et ça peut servir accessoirement de bavoir quand il y a une petite bavouille et tout. Et franchement, ce truc-là, je l'adore. Et pour moi, c'est un indispensable. On part dans le côté sexy glamour et le truc qu'on m'avait jamais dit, c'est que moi personnellement, depuis que je suis rentrée de la maternité, je transpire, mais c'est un truc de fou. Tous les matins quand je me lève et le soir je suis transpirante, en plus ça sent très très mauvais. Sexy glamour, beauté, beauté, beauté. Donc ça m'énerve et en plus ça me réveille. Bon bref, je vous passe les détails, vous imaginez le truc. Et donc je vous conseille de dormir sur une serviette tout simplement pour pas abîmer votre matelas ou votre à l'aise. Et donc voilà, donc franchement ça je vous conseille à 100% ainsi qu'un déodorant. Même si franchement la transpiration elle est même pas localisée sous les bras, c'est vraiment au niveau de la poitrine. Parce que j'ai vraiment l'impression que pendant la nuit, bah du coup, ma poitrine, elle chauffe un petit peu comme une usine qui se met en place, quoi. Et donc, voilà. Donc, si comme moi, vous avez ce genre de soucis, d'ailleurs, laissez-moi un commentaire parce que j'ai l'impression d'être toute seule. Prenez une serviette pour dormir. Dormez sur la serviette, c'est franchement l'idéal. Il se peut également que vous ayez besoin de bouts de seins. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est en cas de crevasse, si votre enfant a du mal à prendre vos tétons, vous pouvez utiliser ces bouts de seins. Bon, il y en a qui disent que c'est pas bien parce que du coup le gamin il va pas s'habituer, nanani nanana. Après c'est comme vous voulez. Moi je les ai jamais utilisés, je les ai achetés parce que j'avais des grosses crevasses. On m'a dit qu'avec les crevasses on pouvait utiliser ça et ça, ça limitait les dégâts. Donc non, moi même si j'avais ma crevasse, avec ça il n'y avait rien à faire, j'avais tellement une grosse crevasse que voilà. Et dans tous les cas, moi elle n'aimait pas, donc après c'est à vous de voir. Ça c'est tout simplement quelque chose que vous posez sous votre téton, hop, sexy, pour que votre enfant prenne le sein. Après peut-être que ça peut l'habituer à prendre le sein. Moi j'aurais pas dû les acheter parce que je m'en suis jamais servie. Si vous avez les seins engorgés, si vous voulez faire du stock ou pour toute autre raison, vous allez avoir besoin d'un tire-lait. Moi je loue celui-là, c'est de la marque Medela, c'est le Symphony, il est électrique. Et un tire-lait, comment ça se passe? Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est tout simple. Vous le branchez sur secteur, ensuite vous avez ce petit machin qui est relié à l'appareil, le fil, que vous branchez à votre tétrelle. Vous voyez ici, c'est le système qui fait l'aspiration. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est magique. Donc ici, ça va aspirer, désaspirer. Vous mettez
votre tétrelle sur vos tétons tout simplement. Et ici, donc ça va, votre téton va être juste là. Ça va aspirer, désaspirer, aspirer, désaspirer. Et le lait va sortir juste ici. Donc voilà, ça c'est mon tire-lait. Comme je vous l'ai dit, je le loue à la pharmacie à peu près 15€ par semaine. Il est électrique. Si vous avez des modèles plus petits, vous avez des modèles manuels, celui-là, il me convient parfaitement. Donc je vous le conseille, même si je n'ai pas testé les autres. Et donc voilà mon petit tire-lait. Et si vous tirez votre lait, soit vous achetez un bandeau, sinon système D, je vous conseille, moi c'est ce que je fais, je mets mon soutien-gorge d'allaitement, ensuite que je mets en mode ouvert, ensuite je mets ceci, c'est une brassière que j'ai achetée chez Action, j'ai fait des petits trous pour sortir les tétrelles, donc du coup je le mets comme ça sur moi, et il est attaché à ma poitrine. Et pourquoi je mets en plus mon soutien-gorge personnel, tout simplement parce que mes seins sont très lourds, et à l'intérieur, ça dépend des tétrelles, hein, mais là vous avez 150ml, donc autant vous dire qu'au bout d'un moment, plus ça se remplit et plus ça va être lourd. Et si vous voulez pas vous abîmer la poitrine, je vous conseille de mettre deux protections, deux soutiens-gorge, deux fois plus de soutien. Et ben voilà, je vous ai parlé de tout ce qui me paraissait important, voire indispensable pour l'allaitement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon allaitement ou un très très bon accouchement. Ça dépend où vous en êtes dans votre parcours de maman. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.